monde, j'espère que vous allez bien. Donc je suis super contente de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Donc c'est pour vous montrer mon December Daily qui est terminé. Je suis hyper satisfaite et hyper contente de moi. C'est trop bizarre à dire mais franchement c'est vrai. Parce que du coup j'ai fini complètement dans les temps. Honnêtement je pensais que ça allait traîner et tout. Mais en fait non, je me suis un petit peu bougée. Et je dois dire que le format que j'ai choisi m'a aidé un peu puisque c'est quand même assez simple de faire des cartes Memory Dex. Donc voilà, je voulais vous faire aussi un petit bilan de December Daily puisque c'est un peu mon premier hein, que je fais. Ça m'a beaucoup plu. Alors au début j'étais vraiment pas fan de tout ce qui est Noël et tout, je vous l'avais déjà dit. Et en fait je me suis bien laissée prendre au jeu et j'ai adoré... travailler avec des petites décos de Noël, des couleurs différentes parce que c'est des couleurs que je n'utilise vraiment pas tous les jours. J'ai mixé plusieurs collections et voilà, j'avais racheté en cours de route des embellissements parce que je sentais que j'allais pas en avoir assez. Et effectivement, si j'avais pas racheté quelques planches de T-board ou stickers ou des die cuts, et bien je serais tombée en rade et j'aurais été bien embêtée. Donc je vais vous montrer déjà la boîte cadeau que j'avais acheté à Action. Donc c'est une boîte qui se soulève comme ça. Et devant vous avez deux trous et vous pouvez passer un ruban et faire un nœud. Donc moi la boîte ne ferme pas puisque mes Memory Dex, les décos dépassent. Donc voilà, c'est pas grave. Et du coup je l'ai recouverte d'un papier de la collection Merry Day. Donc j'ai recouvert tous les côtés, vous voyez. Parce que sinon elle était... je crois beige avec des traits argentés, enfin bon c'était pas hyper joli et je voulais décorer le dessus et avec, enfin les côtés avec tout ce qui me restait. Donc vous voyez j'ai fait un petit mix de tout. Là c'est une étoile que j'avais eue dans un Happy Mail, je l'ai mis là mais en fait je sais pas où trop où la mettre. Donc le côté j'ai décoré comme ceci, voilà. Donc les chipboards, j'ai tout collé au pistolet à colle parce que sinon ça se décolle, hein, c'est pas terrible. Et de ce côté, on a ça. Voilà. Et le dessus comme ça. Donc voilà ma petite boîte qui fait vraiment très très Noël. Je voulais hyper décorer à fond parce que j'aime bien ce style un petit peu. Comme je vous ai dit, un peu chargé, mais quand même chargé, organisé. Donc voilà. Et à l'intérieur, donc il y a toutes mes cartes. Voilà, donc je vous montre un petit peu comme ça. Donc à l'intérieur, ça fait comme ça. Donc je vais vous montrer une par une hein, les cartes. Mais vous voyez, ça fait très joli. J'aime beaucoup. Bon après, voilà, comme je vous ai dit, la boîte ne ferme pas parce que j'ai fait dépasser des décorations. Mais c'est pas gênant. Donc la première carte, vous l'avez déjà vue. J'avais fait la vidéo process. Voilà, donc je vous ai pas filmé le December Daily en entier parce que voilà, je l'ai fait aussi le soir et tout et je pouvais pas filmer. Donc les cartes que vous avez déjà vues, je les passe hein, rapidement. Hein, voilà. Là j'ai fait un petit clip avec du ruban. Voilà, et entre en fait j'avais intercalé des cartes que j'ai décorées quand j'avais tout fini pour passer mes décos. Donc voilà, je les mets entre les cartes de jour. Histoire que ça fasse un peu fil conducteur parce que les collections que j'ai utilisées à la fin, je les avais pas quand j'ai commencé le December Daily. Là aussi c'est une carte que vous n'avez pas vue. Voilà. Au bout d'un moment on ne savait plus trop comment décorer mais bon. Et je suis vraiment contente des chiffres Ali Edwards, je les rachèterai je pense l'année prochaine. Parce qu'ils sont vraiment très bien.
Voilà, là c'est des cartes où je n'ai pas de photos. Ce jour-là, j'ai oublié de prendre des photos, donc tant pis. On fait ça. Là, j'avais fait un petit peu de couture. Vers la fin, j'ai plus du tout cousu sur mes cartes. J'avais plus envie. Et ça, bien sûr, toujours collé au pistolet à colle parce que rien ne colle. Ça aussi, c'est collé au pistolet à colle. Non, ça colle pas. Là, une petite carte de déco parce que ben, j'avais pas pris de photo. Voilà. Je fais comme une petite guirlande lumineuse. Donc voilà, on attaque Noël, donc le 24. Hop. La vidéo va être un petit peu longue, hein, mais faut bien que je vous montre mes cartes. Le sapin avec les cadeaux. Bon, là, c'est ma famille. Là, c'était quand tout le monde était parti le soir. Voilà. Pareil, photo du 25. Le 26, j'ai pas de photo parce que j'ai travaillé et que je crois que j'ai oublié de prendre des photos aussi. Voilà, donc c'est pas gênant. Hein. Là, je crois que c'est ma carte préférée, celle-ci. Je sais pas pourquoi. Ça, c'est des petits stickers que j'ai trouvé chez Action. Et ça, c'est un tampon Kelly Stamps spécial Noël. Voilà, là j'avais pris une photo, c'était un soir où j'étais retrouvée faire du scrap, donc j'étais tranquille, je me suis dit, ah mais je vais prendre ma photo, je le mettrai dans mon December Daily. Voilà le 29. Donc le 30, on a fêté l'anniversaire de ma cousine. Voilà. Là j'ai fait une petite carte de déco, un petit clip serre. Et le 31, voilà, donc le nouvel an. Et la dernière, c'est une photo de nous quatre. Donc du coup, il me reste quand même quelques affaires. Je les ai tout mis dans une boîte pour l'année prochaine. J'ai pas mal utilisé le bloc Action de Noël que j'avais acheté. Donc c'était impeccable, ça allait tout à fait avec les décos et les collections que j'ai achetées. Donc j'étais super contente. Est-ce que je le referai l'année prochaine? Oui, je pense que je vais le refaire. Par contre, je ne sais pas sous quelle forme parce que j'aime beaucoup cette forme-là. Et je trouve ça assez fun à faire en fait. Et donc je ne sais pas encore sous quelle forme. J'ai encore un an pour me décider. En tout cas, j'ai vu que ça vous avait bien plu les vidéos réalisations. Donc je suis très contente. Et j'espère que cette vidéo finale vous plaira aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce format. Et dites-moi vous si vous avez terminé ou si vous avez aimé ou non faire ce December Daily, ça m'intéresse de savoir. Et en attendant la prochaine vidéo les filles, je vous fais plein de bisous, salut !